طبقا للقانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير 1984 وبناء على المرسوم الرئاسي الصادر في 18 يونيو 2023، يسدي السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صدر مصف الاستحقاق الوطني، يسدي وسام بدرجة جدير من المصف لسعادة سفير جمهورية تركيا بالجزائر السيدة ماهينور أوزدامير جوكتاج، وذلك نظيرا ما قدمته من جلاء الأعمال لمصلحة البلدين الشقيقين على مدى سنوات عملها في الجزائر. J'arrive au fin de ma, à la fin de ma mission de 3 ans et demi, normalement presque 4 ans ici en Algérie. Je suis arrivée le 1er janvier 2020 et la première visite d'un chef d'État étranger qui visitait le président Tebboune était le président Recep Tayyip Erdogan. Nous avions signé un accord de haut niveau à ce moment-là et depuis nos relations se sont intensifiées. Le nombre de sociétés turques qui étaient présentes en Algérie lors de mon arrivée était d'environ 900. Je suis très heureuse et très fière de dire qu'aujourd'hui, ce chiffre a atteint les 1560 entreprises turques présentes en Algérie. Nos accords commerciaux étaient de 3,3 milliards de dollars. Aujourd'hui, elles ont dépassé les 5 milliards de dollars et nous espérons atteindre les 10 milliards de dollars. Je suis très heureuse aujourd'hui de terminer ma mission sur des effets très positifs sur nos relations bilatérales, des visites de très haut niveau, l'arrivée du président Tebboune en Turquie, la signature de 15 accords qui sont très importantes et qui sont stratégiques. Et nous espérons vraiment pouvoir continuer nos accords et nos échanges stratégiques dans les années à venir. Pour moi, l'Algérie est plus qu'un pays ami et frère. C'est un pays dans lequel j'ai développé énormément de relations humaines et sociales. Et je porte vraiment l'Algérie dans mon cœur en partant d'ici. J'ai aussi été très, très honorée aujourd'hui d'avoir reçu la médaille de l'ordre de Jedid par le président Tebboune. Ça a été une surprise. C'est la première fois dans l'histoire en Algérie qu'un ambassadeur reçoit cette médaille. Et cela démontre vraiment de notre amitié, de notre fraternité, de tout le travail qui a été réalisé. Je remercie infiniment le président Tebboune, tout le gouvernement algérien ainsi que tout le peuple algérien pour toute leur amitié et leur fraternité. Merci beaucoup.